Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis toujours seul en compagnie avec moi-même pour cette vidéo d'échecs. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous kiffez les vidéos, j'espère que vous kiffez les formations de médical et que vous kiffez ben, ce que Diokani fait sur la chaîne aussi. Il fait quand même pas si mal de choses sur la chaîne. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous kiffez tout ça, j'espère que vous kiffez les vidéos gaming. Si je fais une vidéo tout seul, pourquoi? Je suis désolé, il y a un chien, je sais pas si vous entendez, mais bon. Donc si c'est une vidéo d'échecs, alors pourquoi j'ai fait ça tout seul? C'est parce que Diokani, enfin, il est beaucoup trop fort en fait, il joue quand même depuis plus longtemps que moi, et il y a aussi des cours d'échecs. Voilà, donc moi je fais ça tout seul, parce que là, comme je suis encore étudiant, je peux pas... Voilà, j'ai pas d'argent pour me payer des cours d'échecs et tout ça. En plus, ça coûte cher et tout. Donc voilà, donc je fais ça par mes propres moyens. Donc voilà, donc j'espère que vous kiffez ces vidéos. Donc je suis évidemment tout seul. Donc je vais jouer contre un ordinateur. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va choisir le même type qui se croit trop fort. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons voir. Nous allons faire une partie contre quelqu'un du monde. Je ne sais pas qui on va affronter. Ok, bah, la défense française comme d'habitude. Hein. Yes. Ok. Yes. Alors là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, si on pourrait directement influencer le roi. Là, si on fait directement un échec, apparemment c'était pas une bonne technique de faire ça directement. Ok. Alors, on va essayer de bien jouer dans cette vidéo, hein. J'espère bien jouer. Donc là, si je pourrais influencer ça. Et je pourrais influencer ça. Comme si j'attaque ce pion ici, il pourra influencer ici. Et si j'attaque ce pion-là, il pourra me défoncer comme ça. Donc c'est pas une bonne idée que je fasse ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ouais. Je pourrais bouger comme ça. Voilà. Ah mince. Bon les gars, j'ai pas vu, je suis désolé. Je l'ai pas vu. I don't see it. Ici, on va sortir la tour. Putain. J'arrête pas de... Je vois pas en fait. Pourquoi je vois pas? Bon, au moins on a tué ces deux trucs là. Ok. Alors là ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors. Voilà, vas-y, prends-le. Tu ne prends pas le truc. Voilà. Logique. Logique. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un petit échec? J'ai deux pions aussi. On va dire au niveau matériel, il commence un peu à me battre. Hein. Je sais quoi, on pourrait faire ça. Ah ouais.
Petite. Il passe un truc bêtement. Yes. Exactement ce que. Ouh. Ouf, ouf, ouf. Ah là là là. On voit ce qu'il va faire. Là, ici. Yes. C'était obvious qu'il allait faire ça. Hein. C'était obvious. Ok. Je suis pas très doué au milieu de jeu, donc pardonnez-moi pour ceux et celles qui croient être meilleurs. Enfin, qui sont meilleurs, parce que là, vous êtes peut-être meilleurs que moi, mais voilà. Bon. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais, ça, c'est pas une bonne idée. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me prend à me faire? Rien faire. Honnêtement, il pourra rien me faire. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre ça là. Mettre ça ici. Vais mettre ça par là, par là. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, ici, si on analyse un peu, c'est parti. Il pourra me faire un truc pareil. Il pourra me ici faire ça. Donc ouais. Ici, si je fais ça, si je prends ce pion-là, il pourra me le prendre. Moi, je dis qu'on va prendre le pion. Mince. Je fais des stupides erreurs, les gars. Je fais vraiment des stupides erreurs. Je fais des stupides erreurs. Pour moi, c'est l'échec. Ouais, on va bouger ça ici. Ah, mince. Non. J'ai vu seulement ça à la fin. En fait, je veux faire des choses. Après, ces choses-là, je les vois pas. J'ai gagné. Ok. Bah, c'était cool. Une partie où j'ai gagné. Bon, là, ici, qu'est-ce que j'allais faire ici? Il me prenait. Il allait là. Je pourrais quand même le bouffer ici. Là, ici. S'il allait là, je pouvais le prendre ici. Ok, moi c'était beau, c'était sympa. Ok, maintenant on va faire de nouveau un chess.com. Donc moi je vais sur chess.com. Et on va jouer en 30 minutes. Donc là c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc j'espère que l'adversaire va être rapide dans ses mouvements. C'est déjà pas le même que la fois passée. Ok, donc c'est à moi de jouer. On va voir ce qu'il va faire.
Ok, on va libérer un peu tout ça. Ici, on va faire ça. Ça. Ok. Là, ici, on va faire ça. Ok. Il est assez rapide, lui. Il a vu plus ou moins ce que j'allais faire en fait. Bon les gars, je sais pas si je vais bien jouer ou pas. J'espère pouvoir bien jouer. Laissez-y réfléchir. Ici, ce que j'ai fait ici, c'est que ici mon truc il protège ça et il protège ça. Là ici, ouh. En tout cas, il est plus fort que l'adversaire avec qui j'ai joué la fois passée. En fait, l'autre, il réfléchissait beaucoup trop. Je pense qu'il réfléchissait beaucoup trop. Mais à la fin, il faisait que de la merde parce que enfin, tous ses coups n'étaient pas. Je sais pas comment dire, mais ils n'étaient pas assez réfléchis. Bah, t'as fait quoi là, sérieux? Ok, bon, ben, on va essayer de faire ça. Comme ça, j'attaque son pion. Il pourra quand même le bouffer. Yes. Alors là, ici, ce qui m'intéresse, c'est ça. En tout cas, il n'est pas plus fort que Jukani. Hein. Jukani, il est quand même nettement plus fort. Mais surtout qu'il est très fort, mais il est très fatigué aussi, Jukani, des fois. Donc, des fois, en fait, il joue pas vraiment, c'est pas une puissance, Jukani. Il va me le prendre. D'un coup. Échec. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Même si je prends le cavalier ici, il pourrait me défoncer avec sa tour en fait. Et ça, j'ai pas envie qu'on me défonce. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser. Si on va là, ici. On peut aller. On peut aller là. Soit on retourne sur la position de départ, ici. Soit on va là. Et on va là.
Il a bougé son roi. En tout cas, j'espère que vous occupez cette vidéo. J'essaye de réfléchir à voix haute pour commenter un peu ce que je fais. Il y a un chien, je suis désolé. Je suis désolé, il y a un chien. D'habitude, je fais des vidéos le soir, mais ici, je fais la vidéo un peu plus tôt. Donc voilà. Donc, je suis désolé pour le chien. Il réfléchit beaucoup trop. Je sais pas trop ce qu'en fait il peut faire quelque chose, mais je sais pas trop ce qu'il va faire. On peut voir ce qu'il va faire, hein. Quand tu veux, mon gars. Et j'attends que tu fasses ton coup. On peut faire un petit emoji, non? On va peut-être faire un petit emoji. Envoyer un petit message. Voilà. On a envoyé deux emojis effrayés et cassés le cerveau. Le cerveau en ébullition. Bon ben voilà, hein, c'était Arthur, hein. Apparemment j'étais trop fort. Bon ben voilà, j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. On n'a pas pu terminer ce match. Je suis désolé, hein, il a abandonné. Bon ben voilà, c'est tant pis, hein. Donc j'espère que vous avez kiffé quand même cette vidéo. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine pour toutes mes vidéos. Avec moi-même, je vais essayer de faire une vidéo par semaine où je joue tout seul. Comme ça, vous voyez un peu mes progrès, hein, parce qu'avec Jokani, je perds tout le temps. À vrai dire, je ne peux pas beaucoup jouer avec Jokani parce qu'il arrête. Je suis toujours sur la défensive avec Jokani. Je suis toujours en train de défendre mes pièces et j'attaque jamais en fait. Donc, il est très très fort, Jokani. Donc voilà. Bon ben voilà, on se dit à la semaine prochaine pour toute nouvelle vidéo. Prochaine vidéo, c'était Arthur. Ben ciao. Ciao. Et encore merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait très chaud au cœur, ça me soutient vraiment beaucoup. Aujourd'hui, j'ai filmé des vidéos sur la kinélocomotrice pour pour la marche. Donc j'espère que vous kiffez ces vidéos. Et j'essaie vraiment de bien expliquer au mieux la matière. Si jamais vous avez une incompréhension sur certains points, n'hésitez pas à m'envoyer une petite question dans les commentaires. Et moi, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je reste disponible pour si vous avez des questions. Bon, ben allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle prochaine vidéo sur Tess Arthur. Ciao.